élections législatives et même la présidence de la République. C'est pour cette raison. Qui veut aller voir? Merci. Nous l'avons montré très tôt. Le PG ne doit pas rester les bras croisés. Nous devons nous organiser à temps. Parce que dans la cité aujourd'hui, il y a beaucoup de murmures. Le PG n'est plus mobilisé, le PG ne peut plus rien. C'est à nous de démontrer le contraire. C'est pourquoi la transformation du parti a initié une série de rapports qui visent à rassembler toutes les forces qui comptent notre parti RCG. Ces forces-là, ce sont d'abord les femmes et ensuite les jeunes. Pour ceux qui concernent les jeunes, toutes les structures affiliées à la personne de l'agent du parti sont interpellées à se rassembler immédiatement. Tout que l'on soit, qu'il soit près de celui de la jeunesse, qu'il soit le lieu du comité de base de la jeunesse, qu'il soit le lieu de l'association de la jeunesse, qui soit le lieu de la section jeunesse. Les structures parallèles, la coordination des sections scolaires et universitaires, les structures des diplômés sans emploi, la coordination des jeunes filles et des amazones, les associations affiliées, les mouvements de soutien, toutes ces structures doivent se mettre à l'œuvre. La coordination des sections de l'étranger qui réside à Paris, les jeunes artistes, la brigade nationale, j'en passe. La direction donc a initié d'organiser une série de rencontres de ces structures-là pour les mettre en ordre de bataille afin que les recherches électorales soient bien préparées. Parce que la CENI est en train d'avancer avec le vote du corps électoral, rien ne doit surprendre. C'est pour cette raison. Depuis la semaine dernière, nous avons rencontré les structures suivantes et d'autres également doivent être rencontrées sur le programme si après. D'abord, la direction nationale de la jeunesse a organisé une réunion extraordinaire dimanche passé qui a connu la présence effective de 38 membres sur 38. Ensuite, a rencontré le bureau de diplômé sans emploi, du bureau central de diplômé sans emploi, aux 5 bureaux communaux de la ville de Paris. Toutes ces structures se sont mises d'accord sur un minimum de programme de remobilisation de ses forces dans les quartiers et dans les cafés. Ensuite, ça fut le tour du monagère de moi en charge des jeunes de Guinée qui regroupe 65 associations appuyées au parti. C'est la fédération de toutes ces associations qui constitue le monagère, qui est une structure importante et statutaire reconnue par la direction du parti. Et qui est venu également massivement avec les personnes de différents républicains, non seulement les communes, mais aussi par jour. Ensuite, ça sera des jours à
le tour de la brigade nationale. La coordination des jeunes filles plus un major qui sera rencontrée le 27 juin prochain. La brigade nationale devrait être rencontrée le 26, mais ainsi le 26 mois-ci, à la fête de la madame, il sera obligé de faire ça pour la porte de la fille. Le grand RPG arc-en-ciel sera rencontré le 30 juin. Toutes les associations africaines, APAC Guinée, AGIPAC, les grandes associations naissantes qui sont nées après la création du projet de l'Union, seront également rencontrées le 1er juillet 2017. L'association des jeunes patriotes, qui est également implantée dans les 5 communes de la ville de Kouaï et même à l'intérieur du pays, sera rencontrée le 2 juillet 2017. Les 12 CAS, plus les jeunes artistes RPG arc-en-ciel, seront rencontrés le 3 juillet 2017. Les responsables des CAS, que ce soit Kassoufoulia, Kassoufoulia, Kankankoua, les Kassoufoulia sont concernés avec le bureau des jeunes artistes qui est installé auprès de la personne ici. Ce sera le 3 juillet 2017 à 15h. Ensuite, ça sera le tour des bureaux au complet des 49 sections de la ville de Kouaï. Nous avons dit des bureaux au complet, pas de secrétaire de consommation. Les 25 membres des différents bureaux de jeunesse, des sections de la ville de Kouaï, seront rencontrés le 4 juillet 2017. Les bureaux, après le bureau de section, un programme sera établi à direction du bureau de succession du Nord de la ville de Kouaï. Le programme sera diffusé probablement le samedi prochain. Et le 5 juillet, ça sera le bureau de la coordination des sections de l'extérieur, qui est basé à Kouaï et qui coordonne les sections de l'étranger. Voilà le programme de la recommandation générale, d'abord qui vise l'ensemble des structures de jeunesse au sein du parti pour que nous remettons le parti en ordre de bataille pour affronter les différentes échéances électorales et organiser mieux le parti en fonction du calendrier qui la CENI va nous faire très bientôt dans les jours à venir. Ceci dit, toutes les structures ici citées sont interpellées à se lever comme un seul homme, comme le RPG de 1993, de 1994, 1995, qui a gagné en 1993 les élections présidentielles, alors n'a pas échoué au candidat. Le RPG a gagné les élections de 1998. On n'avait pas un seul chef de parti. Pourquoi allons-nous organiser, étant au pouvoir, si on n'est pas capable de mettre notre parti, pour rappeler toutes les échéances électorales, là, la raison d'existence n'est pas à justifier. C'est pourquoi nous prenons le bureau par les bords, pour que et le ménager et les professeurs d'emploi nous fournissent le maximum de cadres intellectuels qui pourront surveiller l'ensemble des nouveaux où ça va, à créer des zones, le parti a accueilli un certain nombre de faiblesses, nous sommes obligés d'envoyer des cadres à renfort pour que l'ensemble des nouveaux soient surveillés de près, afin que la victoire soit assurée au sein du parti. Et si j'arrive là, ça c'est l'appel passé au nom du Parti national et au nom de l'ensemble des personnes en charge du parti. Que le parti s'est immédiatement sur ses deux pieds pour se tenir.
affronter quelque événement que ce soit, je vous remercie.